présence nous aujourd'hui et pour présence nous hier. Permettez-moi de féliciter le membre et commissaire gouvernement, juge de paix, pour accueil que tu as quitté pour moi, M. sénateur Yuri, et pour professionnalisme dans Jean qui a conduit des séances de questions avec nous-mêmes, avec le sénateur Latortue. Sénateur Latortue, vous avez attendu avant, pendant 2 heures de temps, c'est moi-même à partir de 1h30, vous avez attendu. Et comme j'aime bien dire dans tout le monde, je devais venir pour me répondre comme citoyen, parce que la justice pays m'a invité pour me répondre à une question, je pensais que c'était important pour me déplacer pour répondre à une question, justice pays. Moi, j'ai accompagné, mais il y a plusieurs avocats qui ont décidé d'accompagner sans même pas demander pro bono, et je remercie eux. Et permettez-moi prendre quelques secondes pour remercier M. Caleb Jean-Baptiste qui, encore une fois, m'a côté de l'autre. M. Jules Vrens, qui est bon côté là, M. Caleb Jean-Baptiste qui est en premier, M. David Dolcine, M. Makeli Nelson, M. Jacob Latortue, M. Jules Vrens qui est d'ailleurs, qui est là encore aujourd'hui, et M. Abraham Géré. Et je salue tout, je remercie de trois leaders politiques. Comme des ouais, il y a bien l'autre dans la roue, mais qui est rentré dans le bureau à bon côté nous, c'est M. René Civil, M. Biron Odigé et M. Oni Timothée. Du fond du cœur, je dis trois leaders à eux, merci, je ne suis pas obligé là. Et, je vais saluer tout à l'heure. Et, conférence de presse, je dis mardi 13 là, avant de commencer, je dis condoléances encore une fois à la famille Jovenel Moïse et madame Petit, Zami, Allié, etc. Ils ont invité moi dans un cadre où apparemment une position pour mon déclaration de dignité faite sur Magic 9 le vendredi 9 juillet. Mettez-nous au point fait. Le 7 février, dans l'après-midi, je sorti un texte, je vais par toute la presse. Moi dis, suite à la déclaration de l'état de siège, ancien premier ministre de facto, Claude Moïse, je recommande toute la presse. Et directeur d'Opinion, vous êtes à l'article 278 et suivant de la Constitution en vigueur là pour édification auditeur. Moi dit de arrêter que Claude Joseph, ancien premier ministre de facto, publié dans le moniteur là, est inconstitutionnel, est illégal. Moi dit pas de guerre à l'Assemblée nationale et moi dit faut qu'on accord politique. Permettre le peuple haïtien soit dans sa vie là. Moi je dis clair, Jovenel Moïse, président Jodia qui mourit, t'es complété au moins 3 ans en pouvoir, c'est pour l'article 59 là. Moi je dis l'article 59 là, il clair, moi je dis, dans la 4e année et dans la 5e année de mandat président, c'est l'Assemblée nationale là qui est réunie pour choisir les gens qui pour remplacer. Donc comme Jovenel Moïse, le mandat est fini. Mais si vous voulez suivre logique de ce président, de ce président Jovenel Moïse, il était le dernier année mandat. Donc, en aucun cas, mon premier ministre n'est pas capable d'utiliser l'article 49. C'est non, c'est non, ça, et le 7 février dans la soirée, et Magic Panel 9, et Panel Magic 9, à travers Robert Jeffrey, on a invité moi pour me parler, et je me dit que je vais parler le 7. J'ai invité le 8. Le 8, non, moi, je ne peux pas parler. Donc, c'est finalement, c'est le vendredi 9, je ne parle avec eux. Et objet d'invitation de Magic 9 le matin, c'est vendredi 9 juillet, c'était pour me parler de l'article 278 et l'article 149. Malheureusement, heureusement, au début de l'émission, avant d'entrer dans le sujet que je t'ai préparé pour me répondre, monsieur Eo, posez-moi, n'a pas eu de Robinson. Alphonse et Robertson Jeffrey, ils ont posé une question sur le mort du président. Bon, dis-nous ça, moi dis. Moi dis, moi-même, suite à lecture en pile radio à télévision fait de minutes constat légal, juge de paix, Pétionville fait, comme c'est littéral sous l'air du crime, face, moi-même, l'homme temps des constats légal là, moi-même, moi, tout simplement, commenter. Ce pas là, je pas sur les crimes, je ne pas faire crime, je ne pas commenter des crimes, je ne pas jouer pour le cas de l'été, donc je ne pas permettre de commenter sur le bagage, mais pas ouais. Moi-même, je vais commenter sur ça, un juge de paix qui clairement identifié dit à travers un constat légal. Et juge de paix a dit,
Li constate président criblé de balles, 12 balles. Li constate qu'il y a 100 dans le plafond. Li constate que mon président pourrait être méclassé. Li constate que le président crevé. Et ainsi de suite. Ça nous tout donne puisque c'est un constat légal, juge de paix. Et il dit en plus, non, il a dit, dans la zone immédiate, quand le président est là, nous devons barrière, il n'y a pas de jouer 12 balles, il n'y a pas de jouer 100 en dehors de là. Et il n'y a pas besoin d'aucun agent de la garde présidentielle président, donc n'a pas de l'UGPN, n'a pas de l'USP, n'a pas de captive. Donc, et suite à ça, nous devons donner radio, et suite à la déclaration chef de police là, qui accusait quelques heures, ou bien une heure ou deux heures après l'assassinat président, et il dit assassinat fait à 1h du matin. Là, on va me dire, après m'aider, ça nous donne radio. Et il dit Colombien, c'est un commandant de 28 Colombiens qui tue le président. Moi-même, là ça, moi-même, comme citoyen, comme homme public, moi dis, je trouve M. Allé, premier ministre, de facto AIA, ancien premier ministre et chef de police AIA, il allait très vite en besoin. Quelques heures après, je ne dis pas ça, chef de sécurité président dit. Je n'ai pas dit que y a des gens qui étaient dans la sécurité président, qui étaient en garde à vue, qui étaient arrêtés, mais ils étaient déclarés, mais des gens qui font crime. Alors moi-même, je dis, je trouve suspect la déclaration ça, parce que quelques heures après l'assassinat, Colombien est dans la rue, a marché paisiblement dans la rue Pétionville, il y a des machines, il y a machines qui prennent pas une vidéo là, ils descendent. Les machines, ils continuent à appuyer à la caillou, ils même qui ont fait trafic, qui ont vérifié qui machine qui a monté des sons. Donc, moi, je dis, comment un groupe de gens qui fait un crime est librement à marcher, à circuler dans la rue Pétionville. Moi-même, en tant que personnalité publique, j'ai le droit à l'observation. Mais moi-même, je ne pas des gens qui pensent que je fais des déclarations intempestives, des gens qui pensent que je fais des déclarations irresponsables. Moi-même, je me demande, et je continue de demander, je dis, président pays assassiné, c'est normal en tant que personnalité publique, en tant que en tant que personnalité politique, pour me demander, même je m'a demandé justice, pour mon cité soleil assassiné l'autre jour là, pour mon matin de 19 pour assassiné l'autre jour là, pour mon pont rouge qui assassiné, pour mon. Et Martissan qui perd du caillou qui assassiné, même j'ai demandé justice pour Mounsayo, m'a demandé justice tout pour le président Jovenel Moïse. Parce que même le Jovenel Moïse était mon adversaire politique, mais il bat jamais mon haine pour lui, d'un bon criminel. Et moi-même, c'était un adversaire politique. Et pas moi-même, c'est pas ennemi. Donc moi-même, m'a demandé et m'a continué à demander. Justice pour rendre à président. Et je continue de demander tout. Justice pour Colombien. Si vous n'avez pas fait crime et accusé, il faut que vous parlez de justice. Tout. Alors maintenant, j'ai quelques questions. Parce que la dernière fois, je vais parler sur ce sujet. Parce que je vais parler de mon juge. Je vais parler chaque jour sur ce sujet. Question, et je vais dire, commissaire, ça. Question que je vais poser aujourd'hui. Encore. Côté agent. Dans les 21, d'après l'information qui fait nous gagner. Côté 21 agents, ça a passé, je dis à la, comment parler avec nous là. Côté yo, qui statue? Est-ce que vous avez gagné la vue? Est-ce que vous avez arrêté yo? Côté yo, est-ce que vous avez travaillé? Je ne sais pas. Deux, et première question. Deuxième question, pour qui ça, moun yo dit qui met en soleil, qui fait crime, pour qui ça, vous avez pris la fuite? Pour qui ça, vous avez couru? Allez, pour qui ça, vous avez arrêté? Sur les lieux du crime, finalement, je répète Pétionville là, et le crime de Pétionville, il fait. Trois. Qui est-ce, j'ai deux ou trois, on flou, il y a deux ou trois Colombiens qui mourent. Qui est-ce qui tue eux, pour qui ça? Est-ce que Colombien, ça a été riposté? Nous ne connaissons pas, ce sont des questions à poser moi-même. Quatrième question que nous avons posé, qui est-ce qui menait Madame Martine Moïse l'hôpital? Je veux dire, ma réunion nous a dit, qui est-ce qui démenait l'hôpital? Moi-même, en tant que citoyen, moi, j'ai droit à question ça. Donc, c'est une question que je m'a posée. Moi-même, je profite de l'occasion ça pour demander
à Madame Martine Moïse, Madame Présidente, que je souhaitais pour bon rétablissement du fond du cœur. Je souhaitais que les rétablis, seulement même pas de crime, pas de tuer les gens, pas d'assassiner les gens. Je souhaitais du fond du cœur que Madame rétablit rapidement. Mais même, une bonne question à Madame, une bonne chose à Madame, non? Je dis Madame Martine Moïse, ma ou mourir assassiné. Faut qu'on dise tout ça pour qu'on est sur chaque rivière ou pas pour ma ou qu'on a pris justice. Petit Dieu Abdel Moïse, qui était dans le cas là, ils ont même tout demandé, on n'est pas des mineurs, des adultes, demandé tout le même pour prendre courage à demain, pour dire la vérité, rien que la vérité, pour aider papa à jouer justice. Je pense que moi-même, comme un citoyen responsable, leader politique, je prends responsabilité déjà et je continue à prendre responsabilité. Moi-même, bon, l'autre bagage, je me demande. Je me demande, les gens qui parlent au nom de l'État ici, premier ministre, à chef de police, il faut qu'ils suspendent à faire point de presse, il faut la presse, à travers les conférences de presse, qui opportunité pour poser des questions pour les citoyens haïtiens. Parce que les membres de la presse, c'est pas de parole pour les haïtiens. Nous essayons de prendre parole et nous pouvons porter parole. Je veux dire là, son seul son. Chef de police a dit, nous salve le dit, et puis il ne va pas poser de questions. Moi, je pense que le chef de police a probablement qu'il va l'entendre. Et il va l'entendre sur ça. Il faut qu'il décide, finalement, répondre à la question journaliste. Parce que bon, pas quel journaliste qu'on met là, c'est question par nous qui va faire la lumière sur ce qu'il a fait là. Donc moi-même, ça, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas parler sur ce sujet encore, parce que bah, elle a devant le commissaire gouvernement. Moi, déposer en toute conscience, moi, devant le commissaire gouvernement, je réponds toutes les questions que vous posez moi, en toute humilité et en toute franchise. Donc moi-même, je dis, je fais devant les citoyens, je pose des questions que tout citoyen a posées là publiquement. Et moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je donne une réponse à la question que je gagne et pour le gouvernement haïtien, qui de facto, et pour le chef de police là, qui dit même toujours au premier ministre de facto, puisque il va déjà ratifié par le Sénat. Donc moi, quand je suis là, encore une fois, je remercie la presse qui fait le déplacement, je remercie l'avocat Robert Jules qui va côté là, et tout l'autre avocat, mais c'était déjà. Donc moi-même, là, pour les 5 prochaines minutes, pour répondre aux questions, nous, faire question au bout et ma part réponse. Merci. Ancien sénateur Steven Benoît, comme leader politique, tout par rapport avec des matchs, que tiers Sénat entreprend des matchs à savoir, on connaît déjà, nous prenons une décision pour choisir Joseph Lambert ou David, président provisoire pays d'Haïti. Moi-même, en tant que ancien sénateur, nous avons une situation ça exactement il y a peut-être 5 ans, côté nous avons 10 grands sénateurs, nous avons une institution debout, mais nous n'avons pas de décision parce que nous n'avons pas de quorum, nous n'avons pas de majorité. Et pas oublier. Sénateur, c'est John qui s'est légiféré. Ou pas qu'à légiférer sur la Chambre des députés, parce que pour une proposition, un projet de loi, une loi, il faut qu'il passe dans deux chambres. Mais comme des autres pouvoirs PHTK ont fait, nous classer toute institution, je veux dire, nous fait accompli. Il y a 10 sénateurs qui peuvent voter, mandat, nous d'accord pour qu'on finisse. Nous avons un rôle à jouer, nous avons un bagaille pour dire la situation politique. Ça. Moi-même, quand je dis, je parle avec le sénateur Lambert, et moi, je dis, sénateur Lambert, faut qu'on te propose une réunion, pressé à toute force du pays, n'a pas les partis politiques, société civile, religieux, catholique, protestant, pour nous combler, pour nous décider ce qu'on a fait. Parce que dans une situation de fait, pas de constitution mise en veilleuse depuis janvier 2020, nous avons une constitution, je veux dire, son accord politique qui pour vous et demander le sénateur Lambert, pour lui adjoindre le parti politique, ce que nous commençons à faire, mandé le tout pour l'adjoindre, parce que c'était civil là, apparemment, il y a plusieurs réunions qui ont fait, mandé le pour lui assurer que la réunion ça y est, pour nous débattre deux jours, un jour, quatre jours, et en final, c'est le résultat d'un dialogue entre haïtiens là, et puis pour nous joindre une solution à l'haïtien. Moi-même, votre serviteur, en tant que porte-parole, en tête nationale pour travailler sur le coupé fâché, nous tous connaissons, nous avons produit un document l'année passée. Nous demandons des points ordonnés. Il y a des gens qui ont pris sur moi, il y a des gens qui ont pris, il y a des gens qui pensent que jouer. Je veux dire, là, nous devons toutes conditions réunies pour mon texte qui nous sortit. Comme nous-mêmes, nous avons proposé deux textes déjà, une 30 janvier, une autre jour, la 5 juin,
avec 5 autres gros entités politiques, mais 5 autres partis politiques, moi pensez texte de mise. Parce que le texte, justement, nous te prévoit, et si Jovenel Moïse allait, maintenant tu es nous-mêmes, et s'il démissionnait, et s'il allait, je dis à nous de nous faire accomplir, il n'est pas là. Donc, texte ça que nous te produit depuis un an, que nous reproduit, amélioré tout l'autre jour là, je dis à nous de mise, et nous te dit, et sénateur Lambert, et les partis de l'opposition, et dans les société civile deux fois, mais vous remettre un document, vous dites, vous avez utilisé le document ça, vous avez puisé le document pour nous, à travers la Commission nationale de transition, nous proposer, pour vous choisir, et ou président. Parce que vous-même, vous pensez que nous n'avons pas besoin de deux retirats, nous avons besoin d'un seul monde qui a joué le rôle. Et chef de gouvernement et chef de l'État, parce que le pays a une situation économique difficile, pour qu'ils aient besoin de deux chefs, deux protèges, deux dépenses. Le budget public en vigueur là, il dit primature au budget 3 milliards de gouttes, présidence au budget 3 milliards de gouttes. Plutôt mon seul budget 3 milliards de gouttes, et puis tout va marcher. Et puis moi-même, notre texte de 4 pages, notre texte national, pour ce que vous achetez écrit là, il est clair pour nous, nous disons transition de 18 mois. Qui va le bal nous, élection l'année prochaine, septembre, octobre, et en janvier 2023, avec des députés et des sénateurs qui ont prêté serment, et en 7 février 2023, nous avons un président élu qui a prêté serment. Mais c'est une proposition. Mais mon texte devant tout le monde, il y a qu'à améliorer, il y a qu'à retirer, il y a qu'à mettre mes positions, nous avons campé derrière jusqu'au moment où je parle. Et si Joseph Lambert cap joué pour Wall, moi-même, je n'ai pas de problème que un sénateur connu, c'est une politique connue, son monde qui connaît l'État haïtien. Si c'est une société à prendre, on ne peut pas décider maintenant après chimier. Les citoyens qui aiment le pays, c'est notre dialogue national moyen pour nous sortir dans ça. Nous là, faut toute force vivre le pays à chita ensemble. Et à chaque fois, moi-même, éviter nos réunions pour Haïti, nous avons toujours une présence. Et même nous ne sommes pas extrémistes, nous sommes modérés. C'est le pays que nous avons. Donc chaque réunion que nous pouvons participer, nous pouvons prendre un document, nous pouvons produire un document pour Haïti, nous avons besoin à chaque fois. Pendant la période 18 mois, alors ça, ces propositions-là, est-ce qu'on pense... Propositions de tête nationale. Ah, tête nationale. Ok. Est-ce qu'on pense par rapport avec le climat insécuritaire qui règne dans le pays, hein? J'ai une situation ça, qui a aggravé quotidiennement, vous pensez pendant la période 18 mois, problème ça va résoudre? Bon, moi pas un expert en sécurité, une transition pas capable durer éternellement. Nous-mêmes, premier document nous déposé là, nous dit 3 ans. En pile mon mieux, en pile partenaire tout dit non, il est trop long. Nous allons débat à dépasser que le groupe 21 Colonel Jouyo est organisé là, nous avons voté 2 ans. Mais 2 ans, c'était à partir de janvier, ça passé là. Comme à quoi faire en application. En plus, nous avons fait poker, nous connaissons pas nous. Donc, nous perdons 6 mois. Donc, nous-mêmes, pour être cohérent à tête, nous mettons le courrier là à 18 mois. Pour la 18 mois, si nous avons volonté politique réelle, pour la paix capable de tourner sur le territoire. Nous-mêmes, ça ne va pas arriver, c'est bonne étrangère, pour moi, Sri Lanka, Botswana, Bangladesh, nous qui débattons le choléra, au Népal, tourner encore dans le pays, pour que nous devons voir. Nous-mêmes, qui est le pays, pas besoin de l'armée étrangère vienne tourner la preuve en 2004 là, de 2004 à 2021, on y va régler. Des dizaines d'Haïtiens mourir de choléra, gang tuer un peu de monde, gang continue à tuer le monde, peuple la vie plus pauvre de 2004 à aujourd'hui. Donc moi-même, ça m'a baissé éviter ces interférences étrangères dans le pays. Même pas étranger non. Mais interférences militaires, politiques étrangères, c'est ce qui m'a baissé éviter. Pour ce pays a assez monde éduqué, pays a assez monde honnête, pays a assez monde qui connaît l'État, pays a assez monde qui bien préparé pour nous-mêmes haïtiens nous cap prendre reine à ce professeur NES, reine pays a pour nous aller de l'avant. Moi-même là, m'a boumé et mettez disponible tout pour me contribuer à quelque niveau que ce soit à sortir notre crise. Nous, d'ailleurs, nous produisons, notre national de sur le marché, nous produisons plusieurs documents et documents au public. Et demain encore, nous allons retourner à la charge avec documents à l'appui pour me dire nous-mêmes haïtiens, mais ça me suggère, nous pensons à travers documents ça aussi, nous respectons. Sans faire aucun, avant ce moment fini, nous avons gagné un président et où